à les sécuriser. C'est ce à quoi nous vous invitons. Merci aux auditeurs internationaux pour leur participation au débat. Merci aussi pour ont été lus par le professeur Ludovic Mumbunze, directeur de recherche stratégie. Des militaires et des policiers réunis au sein de l'association des épouses des militaires AEM et de l'association des épouses des policiers pour le développement AEPD ont été reçus ce lundi 15 juillet 2024 par le chef d'état-major général du FDC. Elles sont venues informer le général d'armée Tuo Isongue sa Christian de l'utilisation sans mal du pouvoir de l'association par des hommes varant statut d'association. Parce que tout est il n'y a pas de policier. On sait qu'il y a tous un pourquoi il y a une qui est il n'y a pas si il y a militaire. Alors, M. Tobi, oui, je suis allé aux alliés égales. C'est là, grâce à l'ICAMO engagé, que ce soit. De cette situation, le chef d'état-major général les rapproche d'accompagner lors de cette situation qui est la réputation des épouses des policiers. Responsable, il y a des gens qui sont armés, qui sont en police, qui sont en matérialisme. D'armée Tuo Isongue sa Christian, chef d'état-major général des FARDC, a présidé le 15 avril FARDC Police Nationale Congolaise au lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Il a à cette occasion tenu une causerie morale à l'intention des militaires et policiers de Kinshasa, axé sur 5 points clés à savoir le rappel de missions régaliennes des FARDC de la police nationale, le rappel de la devise de l'armée et de la police, la collaboration entre l'armée. La paix créative qui prime me conduit à Tindalibino Lomonia.
la discipline, parce qu'on est sali, parce que la discipline est dans la branche, il y a indiscipline aussi. La chose de la côté indiscipline. Donc quand on va construire, construire à terre. Et c'est la armée. Délégation de la haute cour militaire conduite par des brigades Kilipi Pienzaou arrivée à Kisangani ce dimanche 14 juillet 2024 en mission judiciaire 10 jours. C'est ce lundi 15 juillet 2004 que la délégation composée de 2 officiers généraux et 4 officiers supérieurs était reçue par les commandants de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel dans son cabinet de travail à l'état-major zone. Nous sommes venus traiter quelques dossiers en appel qui sont en souffrance à Kisangani, a révélé le général de brigade au commandant de la zone de défense. Notez que lors de ces entretiens, la situation du nombre de jeunes militaires puissent encore en prison, même pour des bénins, était évoquée. Entre l'autorité et le commandement militaire, c'est le sujet du judiciaire pour les soldats de l'État pendant cette période que la République démocratique du Congo fait face à la pression de ses voisins. Quelques familles, par l'état-major 3e zone de défense, a immobilisé cette visée civilité. Le deuxième groupe de 38 militaires blessés de guerre était quitté ce vendredi 12 juillet 2024 pour le soin approprié à l'étranger. Ces derniers est sur le trace du premier groupe des 10 militaires évacués en 2024 et qui regagnent le pays de la semaine prochaine. La décision de la révocation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la République démocratique du Congo, ex-Antoine Tshisekedi. État et commandant suprême des forces armées lors de sa dernière visite aux blessés des guerres 28-2024 à l'hôpital militaire central du corps lieutenant-colonel Kokolo. Avant l'embarquement, le 38 blessés des guerres ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Poisson Li, commandant de l'hôpital militaire central. Nous avons gâté ma cabine Nyonso et Panabino, Zomona, Zosala, Bozoki. Quelques principaux bénéficiaires de cette action du chef de l'État et le médecin accompagnateur ont livré leurs impressions et exprimer leurs sentiments. Et c'est un grand bosso, l'équipe d'abord et surtout pour remercier d'abord notre commandant suprême pour un salut pour notre commandant suprême à Sali pour soutenir notre commandant hôpital vraiment et soumis sur notre service pour féliciter Milokona. Mboka, n'a pas mola, mon collègue à maison militaire, n'a pas mola,
Nous avons remercié une fois de plus le commandant suprême, le chef de l'État, son excellence, le police Antoine de Tshilombo, pour cette deuxième phase de blessés de guerre ayant présenté des légions dans notre plateau technique qui ne peut pas prendre en charge de cette ville. Voilà, nous avons eu la chance d'accompagner. Là, nous sommes venus prendre le deuxième phase à l'aéroport et nous retournons avec le deuxième. Le premier n'a pas été opéré avec succès. Et maintenant, c'est le tour du deuxième. Merci. Le général Franck qui a été aussi pour le. Merci à toutes les chaînes de commandement et que le Seigneur bénisse le pays. De prise en charge médicale appropriée à l'extérieur et une partie première des militaires blessés de guerre totalement guéris et de retour au pays. Au total, 6 sont rentrés à Kinshasa selon le 10 juillet 2024. Le 4 autres non encore en possession totale de leur faculté y seront incessamment. Ils ont été rejoints vendredi par un autre groupe des 37. Paternelle qui leur a permis de retrouver leur santé. Je remercie mon conti en boca, à qui a salé en tout cas la justice volontaire na ban en boca. Je suis fait ma casse, na outil na haine, traitement, opérenga balongolinga ba écran na moutoulinga te boumanga, na koma qui kuna déjà tout na tout na kati n'y m'a pas cerveau. Balongolinga ba écran wana, en tout cas na m'exprimé ba tinga ba protéger. Toujours intelligence, au Bazali Kokanisapo na biso. Bazubiso en charge, Tokendaki, ti end, Kozoa, Kissi, Bazoye Biso, calme, Nyonso. De son côté, le général Kikobia Sambili, commandant de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, explique les sens à donner à l'action du commandant suprême. Promotion, École supérieure d'administration militaire de Kinshasa, en clôture le 12 juillet 2024, leur voyage de Tide en Égypte, avant de quitter Caire pour Kinshasa ce même vendredi. Les stagiaires de l'ESAM ont effectué une série de visites pour s'imprégner de l'histoire de ce pays.
le VNIL, et se sont rendus tour à tour au Musée national de la civilisation égyptienne. La citadelle de Saladin, à la mosquée et à la zone des pyramides archéologiques. Les quatrième promotion de l'école des grèves Kinshasa ont effectué du lundi 24 au jeudi 27 juin 2024 une visite pédagogique au Musée national de la République démocratique du Congo, à l'état-major des renseignements, à la première zone de face et au commissariat de la police nationale congolaise. Partout où ils sont passés, les stagiaires ont eu droit à exposer porter généralement sur l'organisation, le fonctionnement et les missions de chaque structure visitée. Après différents exposés, des jeux de questions. Et chef de la délégation, l'objectif qui est d'avoir une idée sur les structures visitées est atteint. Remercier pour cet accueil. Combien de voix j'ai mis votre temps à disposition pour nous faire comprendre ce que c'est là. Et moi, je me suis rappelé quelque part. Remercier surtout pour cette disponibilité permanente et surtout pour vos remarques. Les remarques que vous avez faites sont très pertinentes. Que je puisse suivre et enrichir mon expérience musicale.
guerre dans ce à l'école de guerre de Kinshasa. Après cette brillante présentation de la police, très très vivante et qui s'adapte aux nouvelles menaces et elle s'appelle à être aux côtés des forces de défense pour le retour de la paix en RDC. En place, général-major Mujingamish Timothée, dans la salle d'opération ce vendredi 5 juillet 2024. Dans sa communication, mission d'itinérance qu'il a effectuée dans la province de Bazouélé, le général a décrié le manque d'initiative du commandement de cette unité. Donnant la parole au général de brigade Mundusi Muyuma Constantin, chargé des opérations.